Bonjour, bienvenue à tous. Moi, je suis Dr Konate Mahamadou. Je suis résident en odontologie chirurgicale à la Faculté de médecine dentaire de Casablanca et j'aurai l'honneur de modérer la séance d'aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui sous l'égide de Learning Point Dental. Learning Dental, c'est une plateforme de formation en médecine dentaire qui offre des formations, non seulement des formations complètes, mais également des modules de formation. Et elle couvre en effet un peu toutes les spécialités de la médecine dentaire, en partant de la chirurgie orale et de l'implantologie jusqu'aux jusqu facettes dentaires. Et même tout ce qui est homéopathie qui, qui va un peu aider la médecine dentaire. Donc pour dire qu'elle couvre un peu tout. En outre, elle offre également des conférences en live qui sont gratuites et qui sont accessibles. D'ailleurs, c'est une de ces conférences qui nous réunit aujourd'hui, à savoir les conférences live ramadanesques. Et. Donc, je tiens à vraiment à remercier e Learning, à remercier Learning Point Dental pour cela. En parallèle, je tiens également à souligner là, le partenariat en fait qui existe aujourd'hui avec la DIRC, la DIRC comme vous le voyez un peu plus haut, c'est l'Association des médecins dentistes internes et résidents de Casablanca. Et je souhaite un bon vent à ce partenariat qui va faire beaucoup de bien à tous les acteurs de la médecine dentaire au Maroc et ailleurs. Sans plus tarder, nous allons donc nous intéresser à ce qui nous amène aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui d'anatomie. Pas que d'anatomie, nous allons parler d'anatomie topographique des maxillaires ainsi que les variations anatomiques qu'on retrouve. Et quand on parle d'anatomie topographique et de variation, on va bien sûr parler aussi de radiographie d'exploration. Et qui de mieux placé pour parler de radiographie si ce n'est un spécialiste Il est professeur agrégé de l'enseignement à la faculté de médecine dentaire de Casablanca il est responsable du DU universitaire du diplôme universitaire de radiologie dento maxillo facial de la faculté de médecine dentaire également et il est chef de service de radiologie au centre de consultation et de traitement dentaire de Casablanca. Je vous prie donc d'accueillir monsieur le professeur Bouzouba. Alors, le stade Bouzouba, dites-nous pourquoi ce sujet. Alors, tout d'abord, je vous remercie, Dr. Konate, et je remercie euh, tous les membres de l'équipe Learning Point Dental pour de, de m'avoir invité à animer cette conférence. Alors, euh, en fait, euh, parler anatomie, je sais très bien que quand on veut parler anatomie, donc tout le monde il se dit... L'origine, euh, on va parler origine, terminaison, les branches collatérales, et donc euh, tout le monde a des souvenirs un petit peu difficiles avec l'anatomie et mémoriser un petit peu ces différents éléments. Mais là, c'est l'anatomie descriptive, alors qu'aujourd'hui, on va parler d'une autre, autre type euh, d'anatomie, c'est l'anatomie topographique des maxillaires. Et en plus de ça, on va parler aussi des, des variations. Radio anatomique qu'on peut trouver dans notre pratique quotidienne. Merci. Ben, à vous la parole, Stade. D'accord. Merci. Je vous remercie. Alors, comme on a dit, donc on va parler de l'anatomie topographique des maxillaires et des variations radio Alors, avant de démarrer, je veux bien parler de, euh, par deux slides de la dissection et de cette science qui est vraiment une science. Historique pour nous en tant qu'arabes, arabo-musulmans. On peut voir que, par exemple, ici dans cette DIA, vous avez Razi eh, qui parle ici, qu il dit que c'est l'anatomie et c'est par cette matière qui est une matière fondamentale et transversale pour toute discipline. Pour eux, s'ils valident pas le module d'anatomie, ils ne peuvent pas toucher un malade. Et donc, c'est un concept pour dire que l'anatomie et la dissection, donc c'est des éléments qui sont essentiels pour notre pratique ou pour une pratique qui est, qui est euh, sans stress au quotidien. Là, dans cette deuxième diapo, vous pouvez voir qu'il y a euh, un monsieur qui s'appelle Al Berdedi, et ce monsieur-là, il a fait 2000 dissections sur 2000 crânes pour dire que l'os mandibulaire est un os impair. Et donc la dissection, c'est une science chez nous, dès, vous voyez, dès le 12e euh, siècle. Et donc, je crois que tout praticien doit se, euh, se donner et, euh, un petit peu pour maîtriser l'anatomie, doit euh, étudier cette science d'anatomie. Alors, l'objectif de notre conférence, premier objectif, c'est on va faire un petit rappel anatomique sur les différentes régions au niveau... Des maxillaires. Deuxième objectif, on va montrer un petit peu les variations anatomiques que peuvent exister au niveau des, de chacune des, des régions. Puis, on va discuter un petit peu de l'impact clinique de ces variations anatomiques sur chacune des, des régions étudiées. Alors, première question, c'est pourquoi l'anatomie Pourquoi l'anatomie C'est juste pour vous dire que l'anatomie, c'est comme. Une lumière qui va vous guider à l'intérieur d'une chambre sombre. Quand vous maîtrisez les éléments anatomiques, vous pouvez très bien euh, réaliser vos traitements sans aucun souci, en pouvant même gérer les, les complications en post-opératoire. Alors, tout le monde, quand vous prenez votre bistori en main, alors, plusieurs questions, vous vous, vous poser plusieurs questions. Est-ce qu'au niveau de cette zone, il y a une structure nerveuse Est-ce qu'il y a un, euh, un élément vasculaire Et donc, c'est l'anatomie qui va vous euh, illuminer et euh, qui va pouvoir vous répondre à ces, ces questions. Alors, pour le plan du cours, comment on va procéder Alors, on a pris les maxillaires et on va les diviser en régions. Alors on va démarrer par la région postérieure maxillaire, puis on va partir vers la région latérale du maxillaire et puis la région antérieure du maxillaire. Puis on va au niveau de la mandibule, on va voir aussi trois régions à savoir la région postérieure, latérale et antérieure au niveau mandibulaire, puis on va terminer par la région palatine. Et donc c'est de là où vient L'anatomie topographique, c'est une anatomie qui est par région. Quand on parle anatomie, il y a trois niveaux au niveau de l'étude de l'anatomie. Premier niveau, c'est l'anatomie descriptive. Deuxième niveau, c'est l'anatomie topographique et c'est l'anatomie clinique que vous allez utiliser chaque jour. Troisième niveau, c'est les variations anatomiques et ça, c'est de tous les jours, on peut voir des variations qui sont, euh, qui, qui sont euh, un petit peu euh, nouvelles. Alors, on va démarrer par la région postérieure du maxillaire. Et au niveau de cette région postérieure du maxillaire, on va dé décrire la première structure qui est la région ptérigomaxillaire. Alors, la région ptérigomaxillaire, c'est une région qui existe entre la tubérosité du, du maxillaire et l'apophyse ptérygoïde D'accord Et l'apophys pterigoïde qui est en rose. Et au niveau de cette, de, 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 de cette région, vous voyez comme elle est en forme de goutte d'eau inversée. D'accord, on peut l'appeler région ptérigopalatine, on peut l'appeler fissure maxillaire Donc, vous allez trouver plusieurs appellations. Mais la, 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 cette, la difficulté nous, au niveau de cette zone, c'est qu'il y a la présence de plusieurs éléments nerveux et, euh, nerveux et vasculaires. Et donc, qui dit carrefour où il y a plusieurs éléments vasculaires, dit un carrefour qui est important, mais aussi c'est un carrefour qui est dangereux. Et donc, vous allez voir que c'est une petite fissure ou, ou fosse, mais qui présente, et qui est un vrai carrefour. Elle présente plusieurs rapports, notamment avec l'orbite, avec la cavité buccale, avec la région palatine, avec la région cérébrale. Et donc, il y a la présence de plusieurs éléments, d'accord, au niveau de cette fosse pterigo-maxillaire et même l'artère maxillaire, c'est à ce niveau-là où elle va donner les différents éléments vasculaires qui vont vasculariser un petit peu toute la région du euh, du, du maxillaire. Alors cette région pterygopalatine, c'est une région qu'on peut très bien visualiser au niveau de la radio panoramique. Alors, comme on a dit, c'est une région qui est importante, et donc au niveau de la radio panoramique, après qu'on trace notre sinus maxillaire. D'accord Et donc, quand vous voulez tracer le sinus maxillaire, vous avez un premier trait très vertical, là, c'est l'os malaire, d'accord Et un petit peu en postérieur, le deuxième trait et le troisième trait, c'est eux qui vont constituer la fente pterygo-maxillaire et qui, comme on l'a dit, qui est en forme de goutte d'eau inversée. Cette même, euh, cette même fosse, on peut bien la visualiser au niveau, par exemple, là, au niveau de la coupe sagittale. Ou bien même au niveau d'une coupe frontale, on peut bien voir la fosse pterigo-maxillaire et son émergence vers, vers le palais. Alors bien sûr, ce qu'il faut bien étudier quand vous êtes devant une fosse pterigo-maxillaire, alors il faut étudier bien sûr le rapport du germe de la troisième molaire supérieure avec cette fosse pterigo-maxillaire. Et donc là, quand vous voulez... Euh, par exemple, intervenir au niveau de cette région, il faut étudier le rapport. Est-ce qu'il y a un rapport de proximité Est-ce qu'il y a une, un obstacle postérieur qui va, par exemple, au moment que vous faites l'extraction, vous repoussez votre dent, non, dent en postérieur Est-ce qu'il y a bien un élément qui va protéger l'expulsion de cette dent, par exemple Par exemple, surtout lorsque c'est en état de germe. Et le, s'il n'y a pas de, de blocage au niveau postérieur, donc on peut avoir une expulsion de cette dent au niveau de la fosse ptérygomaxillaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut étudier ce rapport de proximité. Est-ce que c'est est très proche ou bien c'est aussi loin Cette même euh, étude, elle peut être bien faite, comme vous, vous voyez très bien là au niveau des coupes panoramiques. D'accord Au niveau de ces coupes panoramiques, vous voyez ce germe qui est vraiment à proximité de la fosse de la fosse pterygo-maxillaire, d'accord. Et donc vous savez très bien que quand vous voulez faire l'extraction d'un germe d'une dent maxillaire, le germe il présente une mobilité puisqu'il est à l'intérieur du, du sac folliculaire. Et donc c'est ce qui fait qu il est très mobile. Et donc quand vous, vous le luxez, vous pouvez s'il n'y a pas de protection postérieure, on peut bien le luxer au niveau de la fosse pterygo-maxillaire. Deuxième élément clinique au niveau de cette, par rapport à cette région, c'est la fracture de tuberosité. Alors ça, c'est une chose qui est fréquente, fracturer une tuberosité de maxillaire. Ça, bien sûr, on peut l'éviter par certaines méthodes, mais ça peut arriver. Maintenant, le geste qu'il faut faire au moment où vous sentez que vous avez fait une fracture de tuberosité de maxillaire, c'est qu'il faut éviter de tirer par le davier, votre dent, parce que quand vous tirez, en fait, vous tirez la muqueuse et quand vous tirez la muqueuse, vous tirez les éléments anatomiques qui sont parfois proches de la fosse pterygo et c'est ce qui peut induire des lésions qui peuvent être soit nerveuses ou bien vasculaires au niveau de, de cette région. Et, et donc là, euh, on peut être confronté à des complications qui sont plus importantes. Alors, ce qu'il faut faire quand, quand je suspecte une fracture de tuberosité maxillaire, donc là, je dois prendre mon décolleur et je commence à décoller dans tous les sens de telle manière à ce que je vais cueillir ma dent, ma dent de sagesse. Alors, autre chose, c'est quand vous avez une lésion au niveau, de, de, au niveau des maxillaires. C'est quand, par exemple, là, vous voyez cette lésion, c'est une lésion qui est... Euh, très postérieure, elle présente des rapports très importants avec la fosse ptérigomaxillaire. Alors, bien sûr, quand vous avez une lésion qui dépasse un petit peu cette limite postérieure qui est la région ptérigomaxillaire, qui est une limite rouge, d'accord Donc là, il faut éviter ce genre d'acte pour, pour nous, en tant que praticiens, au niveau de nos cabinets dentaires. Alors, il faut éviter ce geste parce que là, le risque hémorragique au niveau de ces régions est euh, très difficile à gérer au niveau d'un cabinet dentaire mais c'est bien sûr, c'est gérable au niveau d'un bloc, bloc opératoire alors après la région postérieure donc on va aller vers la deuxième région c'est la région latérale du maxillaire alors au niveau de la région latérale du maxillaire l'élément le, le plus important c'est le sinus maxillaire alors le sinus maxillaire vous savez très bien que c'est une cavité aérique qui est euh, au niveau du maxillaire, d'accord, et, et qui est tapissé par une muqueuse sinusienne. Et c'est une région et qui peut présente, présenter des, des rapports avec des dents latérales, avec les secteurs pré-molo-molaire, ce qu'on appelle les dents entrales. Alors bien sûr, le, euh, le, le sinus maxillaire, il est, on peut bien, très bien le, le, le dessiner au niveau d'une radio panoramique. Et maintenant, quand vous voulez dessiner le, votre sinus maxillaire au niveau de la radio panoramique, il faut éviter le, le palais, parce que le palais, parfois, il divise le sinus maxillaire, d'accord Et donc, quand vous, vous voulez dessiner votre sinus maxillaire, il faut éviter ce palais, éviter les lignes des... Des, euh, des cornées inférieurs qui sont des artefacts latérales qui vont se projeter sur le sinus maxillaire et éviter aussi l'os malaire qui vient se projeter par cette ligne blanche au niveau du, du sinus. Et donc, c'est c'est euh, euh, des éléments clés pour pouvoir dessiner euh, clairement le sinus maxillaire. Alors bien sûr, le sinus maxillaire, on peut très bien le visualiser, mais cette fois, on va éviter les superpositions que présente une radio 2D et on peut le voir de façon très nette au niveau d'un examen beam. Alors là, par exemple, au niveau de cette coupe euh, axiale, vous voyez que les sinus maxillaires, ils vont être latérales par rapport aux fosses nasales, d'accord Et vous voyez qu'il y a seulement une séparation, c'est un seul mur qui existe entre le sinus maxillaire et les fosses nasales. D'accord. De même, au niveau de cette coupe panoramique, vous pouvez très bien voir que le, euh, le sinus maxillaire, là, il est bien individualisé, d'accord. Et de même, on peut le voir au niveau des coupes perpendiculaires obliques. Alors, bien sûr, le, le sinus maxillaire, il peut présenter différentes variétés au niveau de son volume. Et on peut parler de sinus maxillaire qui est procédant ou bien pneumatisé, comme vous voyez au niveau de cette radio panoramique, où vous avez le sinus maxillaire qui est euh, qui est très procédant, surtout qui est procédant par rapport à la crête maxillaire. Alors, on peut par parler de sinus maxillaire qui est hypoplasique, d'accord Et vous voyez que le volume du sinus maxillaire, il est euh, diminué. Et donc là, cette évaluation, elle est importante quand vous, vous évaluez votre sinus maxillaire, notamment quand vous voulez faire une intervention chirurgicale qui va euh, au niveau du sinus maxillaire, notamment un soulevé, un soulevé de, de, de sinus. Alors bien sûr, quand on parle sinus maxillaire et dents, donc on parle des dents entrales. Alors la question qui se pose toujours, c'est quand vous voyez une 6 une, une ou 7 maxillaires qui se projettent sur un sinus maxillaire, vous vous dites est-ce que les racines, ils sont à l'intérieur du sinus maxillaire ou bien c'est des racines qui sont juste superposées. Alors en fait, ce qui se passe, c'est juste ça. Vous pouvez avoir deux racines, la racine vestibulaire et la racine palatine et le sinus, il va venir entre les deux racines, d'accord Ou bien c'est une seule racine, ou bien, bien la racine, elle va venir se projeter au niveau du sinus maxillaire. Et donc là, au niveau de ces deux cas, on aura la même image au niveau de la 2D. Au niveau de la, de la 2D, on aura une superposition de la racine sur, sur, le, le, euh, sur le sinus maxillaire, mais en aucun cas... Par une, par une radio de 2D on peut savoir est ce qu'il y a une superposition ou non juste par rapport à un par une, un examen 2D. Autre élément qu'on peut euh, étudier au niveau du sinus maxillaire c'est les septa sinusiens alors c'est des septa c'est une sorte de cloisons comme vous voyez là c'est des cloisons que peut présenter le, le sinus maxillaire alors Là, on a fait une étude sur euh, vers 300 conbim et on a vu que presque 21,9% des, des, euh, des patients donc, présentent des cloisons au niveau des, des sinus maxillaires. Alors, ces cloisons, on peut avoir différents types de cloisons, soit c'est des cloisons qui sont euh, verticales. D'accord Quand vous voyez, comme vous voyez ici, donc c'est des cloisons qui sont verticales ou bien c'est des cloisons qui sont, qui sont horizontales. Et aussi bien les, les cloisons, ils peuvent être soit des cloisons partielles, d'accord Ou bien c'est des cloisons qui sont totales. Ça, ça veut dire que ça peut isoler certaines certains parties au niveau des, des sinus, comme vous voyez à ce niveau-là, d'accord Ou bien au niveau de la coupe axiale. Donc là, par exemple, dans ce cas, on a un, une cloison euh, au niveau des sinus maxillaires et on a une, une, euh, un dépassement de pattes et on a une réaction qui est euh, au niveau d'une de, de, cavité créée par cette, euh, par cette cloison verticale. Autre élément qu'on peut étudier au niveau des sinus maxillaires, généralement les planchers des sinus maxillaires, c'est des planchers qui sont généralement qui sont réguliers. D'accord Alors, on peut avoir des planchers sinusiens qui sont irréguliers. D'accord Et donc, quand vous avez ces, ces irrégularités, donc ça, ça peut constituer des problèmes, notamment soit par la présence des irrégularités au niveau du plancher, ou bien par la présence des septa. ou lorsque vous voulez intervenir au niveau du sinus maxillaire, par exemple, pour un, pour un soulevé de sinus. Donc là, pour éviter une déchirure de, de la muqueuse sinusienne, il faut bien étudier votre sinus pour pouvoir... Euh, proposer l'attitude la, thérapeutique qui est euh, intéressante pour votre patient et pour éviter les complications possibles en péropératoire alors quand on parle aussi sinus maxillaire on parle artère entrale alors quand on parle artère entrale c'est quoi l'artère entrale donc c'est une artère comme vous voyez là par exemple au niveau de, de cette image donc vous voyez que c'est une euh, artère qui passe au niveau de la muqueuse sinusienne, au niveau de, de la face latérale du sinus maxillaire. D'accord? Là, est, elle est un petit peu visible au niveau de, de cette radio. D'accord? Alors, cette artère ventrale peut présenter des volumes, volumes différents. D'accord? Et donc, on peut, alors, on peut avoir des volumes qui sont un petit peu différents. Vous voyez que soit c'est une artère qui présente un volume important et qui dit différence de volume dit que quand vous on aura une lésion de l'artère bien sûr le degré des de, du saignement en ce c'est pas le même quand le volume est important c'est clair que le saignement est, va être plus important et autre chose donc là vous voyez le, 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 la situation de l'artère centrale soit c'est une artère centrale qui va être parfois qui est complètement au niveau de la muqueuse sinusienne ou bien c'est une artère centrale qui, qui peut présenter qui peut être présente euh, à l'extérieur de la, de, de la face latérale du sinus maxillaire. Puis elle va être intermédiaire comme ici, d'accord Puis elle va être interne. Donc vous voyez que c'est un petit peu euh, le, 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 les différentes situations et les différents volumes que peut présenter euh, une artère centrale. La, la perméabilité du méa. Alors, pour ce qui est de la perméabilité du méa, donc le sinus maxillaire et les fosses nasales, comme on a dit, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a On a juste un mur. D'accord Et donc, ce mur, qui est la face latérale des fosses nasales, permet... Une, normalement, on aura une ouverture qu'on appelle le méa. Ce méa, c'est quand vous avez un patient ou, ou bien ou, un patient qui présente une rhinite allergique, on a un comblement au niveau du sinus maxillaire. Qu'est-ce qu'on a On a généralement un drainage qui va se faire au niveau des fosses nasales par l'intermédiaire du D'accord Et donc, il faut toujours vérifier l'ouverture de, de ce méa d'accord Lorsque vous voulez intervenir au niveau du sinus maxillaire, parce que généralement vous allez causer une inflammation et on a besoin de ce drainage. Alors le fait de ne pas avoir ce drainage par la fermeture du, du méa, donc c'est ce qui va donner des problèmes, notamment soit la résorption de votre matériau de comblement ou bien une, une complication infectieuse. Alors professeur, nous avons une question de Myriam qui demande Lorsqu'on a un dépassement de pattes au niveau du sinus, quelles sont les complications concrètes qu Qu'est-ce qui peut y arriver D'accord. Alors là, effectivement, euh, c'est comme si Myriam elle, elle était avec nous, parce que la dia, la dia prochaine, elle parle de ça. D'accord Quand vous, vous voyez là, on a un cas de radiopanoramique avec un dépassement de pattes au niveau du, du sinus. Euh, du sinus maxillaire droit. Et le patient, on a demandé au patient de faire une, euh, un examen con beam Et donc, quand, elle, quand le patient il a fait l'examen beam parce qu'il a fait un petit peu euh, en retard par rapport à la, 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 la prescription, donc là, on voit que le, le, la patte, elle est passée vers le méa. Et donc, elle a. Et là, fermer le méa. Et donc, c'est ce qui peut donner parfois des complications. Le dépassement de pâte ou tout corps étranger au niveau du sinus maxillaire et qui va pas être fixe et qui va être mobile. Ce corps, il va induire une infection au niveau du sinus maxillaire, notamment quand vous voyez ça là au niveau de cette coupe frontale. Vous voyez de la pâte au niveau du méa qui bloque le méa. Et donc ça, ça peut parfois donner euh, des infections. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la muqueuse sinusienne, c'est une muqueuse qui est muqueuse ciliée. Et qui dit muqueuse ciliée, ça veut dire que c'est une muqueuse qui va faire euh, du ménage en fait, au niveau du sinus maxillaire pour pouvoir drainer un petit peu ce qu'il y a, euh, tout élément mobile au niveau de, des fosses nasales par l'intermédiaire du méa euh, euh, au niveau euh, des fosses nasales. Alors, aussi, on parle sinus maxillaire et troisième molaire supérieur. Alors, et, et, en fait, les, les dents entrales. Alors, par exemple, quand vous voyez, par exemple, au niveau de cette radio panoramique, vous voyez cette dent de sagesse et qui présente vraiment un rapport intime avec le plancher de sinus maxillaire. Alors, si on s'amuse à extraire cette dent, dent de sagesse de façon rapide, d'accord Donc, c'est ce qui fait que, euh, on peut roufouler facilement. Si on luxe cette dent en postérieur, on, on peut refouler cette dent facilement au niveau du sinus maxillaire. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez très bien voir au niveau de cette radio panoramique. Vous avez cette dent massi, ma dent sagesse qui est refoulée au niveau du sinus maxillaire. D'accord Et par. Une, une luxation qui est non réfléchie au niveau en euh, père opératoire. D'accord Alors là, ce qu'il faut faire, c'est quand vous faites votre extraction de dent sagesse, il faut toujours, parce qu'on sait très bien que la dent sagesse, on l'a fait euh, à l'aveugle. On peut pas voir une dent sagesse euh, maxillaire, c'est difficile euh, en termes de visibilité. Et donc, ce qu'on dit, c'est que l'index de la main gauche, c'est. En fait, c'est votre œil. Il faut le mettre sur la table euh, occlusal. Et quand vous luxez, vous allez sentir que votre dent, généralement, elle sort. Quand vous sentez que votre dent de sagesse, elle rentre au niveau du sinus, elle rentre, vous, vous, savez très, vous, vous allez savoir très bien que vous êtes en train de fracturer le plancher sinus maxillaire et votre dent, elle est en train de, de se refouler vers le sinus maxillaire. Alors là aussi, le refoulement de la racine d'une 6 ou 7, ça c'est aussi une chose qui est fréquente en pratique. Alors pourquoi? Parce que quand on voit la superposition d'une dent par rapport au sinus maxillaire, d'accord, donc là on, euh, on se dit non, c'est pas grave, je vais aller et luxer quand j'ai une dent qui se fracture, alors je vais favoriser les luxations. Alors ce qu'il faut faire, c'est plutôt favoriser un petit peu les ostéotomies, d'accord, et aller cueillir la, la racine au dieu de, de la luxée alors bien sûr on ne parle pas juste de refoulement de, de dents mais aussi on parle de refoulement d'implants quand on estime très mal le, 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 la qualité osseuse donc on peut refouler des implants d'accord soit c'est des implants qui vont être refoulés de façon euh, après, donc, on a mis en place notre implant mais on n'a pas une bonne stabilité primaire et on avait un implant qui est refoulé comme vous voyez au niveau de cette radio ou bien on perd opératoire parce qu'on a mal estimé un petit peu là, notre hauteur, notre largeur et euh, notre qualité osseuse. Bien sûr, quand on a parlé des différents éléments qu'on peut envoyer au niveau du sinus maxillaire, c'est qu'on a dit le principe c'est quand on met un élément qui est mobile au niveau du sinus maxillaire, ça, là, on crée une infection. Quand vous mettez un matériau de comblement et vous avez une perforation de la, de la muqueuse sinusienne, donc là, vous aurez un passage du matériau de comblement et voilà, donc bonjour les dégâts, donc on aura une infection au niveau du sinus maxillaire. Là, par exemple, quand, quand vous avez des, des dents qui sont entrales, d'accord, et c'est des dents... Qui, qui présente une, euh, un rapport bien sûr avec le sinus maxillaire. Quand vous faites l'extraction, vous avez une, euh, un passage de l'air. Entre le sinus maxillaire et la cavité buccale. Et là, on peut très bien le, le, le faire par le test de Valsalva. Donc, on va demander aux patients de fermer les narines et exercer une expiration par le nez. Et donc, là, on peut avoir, ces, quand on va voir les bulles d'air qui sortent, donc on sait très bien qu'on a une communication bucco-sinusienne immédiate qu'on doit gérer par un lambeau. D'accord Qu'on doit gérer par un lambeau. D'accord et le suturer de façon hermétique. Donc c'est un lambeau qu'on doit tracter pour le suturer de façon hermétique. Euh, alors professeur, on a une question qui revient souvent lorsqu'il y a un refoulement de la dent sagesse ou encore d'un implant. C'est quoi la conduite à tenir D'accord. Alors quand on a un refoulement au niveau d'une de, dent ou bien d'un implant, donc là on peut très bien accéder par voie latérale. D'accord. Donc on peut très bien accéder par voie latérale. Et on va aller. Alors le seul inconvénient qu'il y a, c'est que quand on rentre, on va trouver du noir parce qu'on ne peut pas très bien donner de la lumière au niveau du sinus maxillaire. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de faire entrer une aspiration, d'accord, pour pouvoir déjà aspirer s'il y a des débris, et essayer de chercher un petit peu votre élément dentaire ou bien implantaire. Et bien sûr, cet acte-là doit être précédé. Euh, immédiatement par une radio d'accord quand vous allez prendre la radio bien avant il ne faut pas faire bouger votre patient euh, de façon euh, très rapide parce que l'implant il va bouger au niveau du sinus maxillaire et donc c'est pour ça que il faut prendre la radio et essayer d'intervenir par voie latérale alors aussi quand on parle de cbs immédiate mais quand cette, cette communication buccosinusienne n'est pas gérée à temps on peut être confronté à une communication buccosinusienne chronique et donc ça on peut le gérer par différentes techniques quand vous allez voir au niveau de la littérature on parle technique de collerette de la boule graisse de bichat de lambeau latéralisé par exemple là ce qu'on a utilisé c'est une technique de fermeture de, euh, et suture de la muqueuse sinusienne d'accord et une désépithélialisation de la fenestration et, une, une, et des sutures. Et donc là, c'est une manière de gérer un petit peu cette CBS chronique. Mais là, la règle, c'est quoi C'est que je dois un, toujours intervenir sur un sinus sain. Si mon sinus maxillaire n'est pas sain, s'il y a une, inf une infection, on, je ne peux pas intervenir et je ne peux pas avoir des résultats qui sont satisfaisants. Bien sûr, et ça nécessite, en plus de ça, une coopération de, du patient. Alors, on a vu la région... Euh, ptérigomaxillaire maxillaire postérieur puis la région latérale là où nous sommes au niveau de la région antérieure au niveau de la région antérieure on va parler un petit peu de euh, du paquet infraorbitaire alors ce paquet infraorbitaire qui est à un centimètre de l'arcade euh, de l'arcade orbitaire inférieure et c'est lui qui va innerver un petit peu ce secteur antérieur et innerver et euh, la, la partie labiale et narinaire d'accord supérieure alors, quand vous voyez, par exemple là, vous voyez votre, on a ici votre infraorbitaire, l'émergence de l'infraorbitaire. Alors, euh, alors ce qu'il y a comme variation anatomique au niveau de, de l'infraorbitaire, c'est que parfois on a, on a des terminaisons de l'infraorbitaire qui vont descendre un peu plus bas, d'accord Et quand vous voulez extraire généralement votre canine alors on sait très bien que la canine c'est un petit peu difficile à extraire quand on, on utilise quand on veut luxer et utiliser nos, nos daviers pourquoi parce qu'on a une bosse canine et donc parfois quand on insiste par le, le, le davier qu'est ce qui arrive on a une fracture de la table et quand on a une fracture de la table on est amené à tirer au niveau de la dent et quand on tire et quand on a ces variations on va tirer sur le nerf et un nerf qui s'étire de plus de 30%, on peut parfois être dans, le, 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 dans, dans euh, une hypoesthésie qui est euh, irréversible. Et donc c'est pour ça que il faut quand on, quand on fracture une table externe, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut favoriser toujours les décollements. Il faut toujours, quand je fracture une table, je favorise les décollements. D'accord Je dois Poser mon avis, Je ne dois pas utiliser le Davis. Et donc là, vous voyez l'extension de l'infra-orbitaire qui peut constituer des variations anatomiques. Et après extraction de canine, le patient il va venir, il va vous dire que j'ai mal à ce niveau-là. D'accord? Ou bien je sens une hypoesthésie à ce niveau-là. Alors, comme aussi une variation anatomique qui est, euh, qui est intéressante et, et dont il faut faire attention, c'est parfois. Si le praticien il, il, il n'a pas bien euh, exploré ses examens radiologiques, il peut confondre l'infra-orbitaire avec l'artère entrale. Et vous pouvez très bien voir, quand on parle de l'infra-orbitaire, sa situation, généralement, il est au niveau du plancher de, de l'orbite. Alors, par exemple, là, vous voyez que l'infra-orbitaire, il a descendu, d'accord, et il est à proximité de, de l'artère entrale. D'accord Et donc, si, et la même chose, je peux voir là, vous voyez qu'il y a un détachement de l'infra-orbitaire, il s'est détaché en bas, et d'accord Et donc, il faut bien, bien sûr faire la, 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 la différence entre l'infra-orbitaire. Et donc, comment faire la différence C'est un petit peu, il faut toujours suivre la structure dès le départ, d'accord Il ne faut pas euh, statuer sur une seule coupe au niveau, surtout des examens 3D, mais il faut toujours lire les différentes coupes et suivre un petit peu les différents éléments anatomiques, d'accord, au niveau des, de, tous les, de, de euh, toutes les coupes. Alors, par exemple, là aussi, vous voyez que vous avez l'artère infraorbitaire, d'accord, donc vous voyez là, le, 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 pardon, le paquet infraorbitaire, et on a l'artère qui est entrale, d'accord, qui, qui est là. Et donc, vous voyez un détachement de l'infra orbitaire. Il s'est détaché de la de, de, de du plancher de l'orbite et il part un petit peu vers la paroi latérale du sinus maxillaire. Et donc ça, c'est le risque qui existe quand on euh, quand on ne on donne pas de, 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 une, 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 du temps pour explorer nos examens radiologiques. On peut être confronté à ce genre de, de risque. Donc là, la même chose. Vous voyez donc là, vous voyez euh, la même chose, cette proximité entre ces deux éléments anatomiques. Alors après la région antérieure, on va passer vers la région palatine. Au niveau de cette région palatine, on va voir deux éléments qui sont essentiels. On va démarrer par le naso-palatin, le canal naso-palatin. D'accord, c'est le canal qui va, bien sûr, ça devient le nom naso-palatin. D'accord, il va communiquer entre la cavité nasale, entre les fosses nasales et le palais, il va sortir bien sûr au niveau de, de la, la papybinoïde entre les, en rétro-incisive, d'accord Et bien sûr, c'est euh, un nerf qui vient de la fosse pterygo-maxillaire, d'accord On parle le nerf sphénopalatin. Alors, quand vous voyez ici, donc au niveau de cette coupe, vous voyez le, le nerf nasopalatin au niveau de cette coupe axiale, et vous pouvez très bien le voir au niveau de la coupe. Panoramique et aussi bien au niveau des coperpendiculaires obliques et donc voyez que c'est un canal, d'accord, qui va communiquer, faire communiquer la cavité nasale avec le le palais. Alors, bien sûr, le, le, le canal nasopalatin, c'est un canal qui peut présenter des volumes différents. Donc, là, on, va, on voit très bien qu'il y a un canal euh, qui est bien rétréci, alors que là, on voit un canal qui est bien large, qui, qui a bouffé un petit peu la crête. Et surtout, dans le cas où vous voulez mettre un implant, parfois, ce nerf, il peut déranger. D'accord Surtout lorsqu'il va bouffer un petit peu notre crête antérieure. Alors, euh, professeur, vu que vous parler vu que vous parlez un peu de ce nerf euh, de ce nerf on va dire incisif souvent ce qui se passe c'est qu'après une chirurgie soit une chirurgie implantaire ou même une chirurgie de canine incluse on a en fait une mauvaise cicatrisation et on a comme une nécrose palatine en rapport avec cette zone antérieure donc euh, cela peut être dû à quoi et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a ça Alors euh, bien sûr quand on a c'est comme si vous, vous, vous lisez un petit peu par les questions euh, les diapos donc en fait c'est ça c'est quand vous allez vous pouvez conserver ce palatin, il faut le faire alors quand il faut le sacrifier alors on doit le sacrifier maintenant la question qui se pose quand on sacrifie un palatin, qu'est ce qui se passe d'accord alors bien sûr il faut le conserver tant qu'on peut D'accord Mais par exemple, quand vous voyez cette canine, c'est une canine qui vient un petit peu au niveau du nasopalatin. Donc on ne peut pas, en aucun cas, aborder cette canine sans passer par une section du nasopalatin. Alors, quand on sectionne le nasopalatin, qu'est-ce qui arrive le tiers antérieur du palais, on doit informer le patient que le tiers antérieur du palais, il va sentir un petit peu de, de l'hypoesthésie au niveau de cette région. Mais c'est une hypoesthésie qu'on va dire qui est réversible parce que les relais de, du paquet de, de l'artère palatine et le, le paquet palatin euh, antérieure, donc il va prendre le relais et il va continuer à innerver la région antérieure, et donc ça va prendre presque 3-6 mois donc pour qu'on aura une régénération au niveau de cette région antérieure. Deuxième élément au niveau de la quatrième région, qui est la région palatine, c'est l'artère palatine. Alors, bien sûr, l'artère palatine, comme vous voyez comme description, c'est une artère qui est presque à 1 cm de collet de la d'accord Donc, on a tous appris ces ces descriptions, d'accord Et vous voyez qu'elles partent latéralement par rapport à ces, cette région prémolomolaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette artère palatine elle va décrire une gouttière au niveau de, du palais, d'accord Et ce qui est intéressant, c'est que cette artère palatine, on peut bien la repérer au niveau de la clinique. Alors, au niveau de la clinique, c'est au niveau l'artère palatine, il siège entre la jonction entre le palais et la crête palatine. Alors, si vous remarquez très bien et vous faites une bonne observation au niveau de cette région, quand vous voyez ça, par exemple, vous voyez un petit peu là du blanc ou du bleu, d'accord Donc, ça, c'est quoi C'est l'émergence en fait de l'artère palatine. Et si vous faites. Une palpation au niveau de cette région, on va voir que c'est dépressible, d'accord C'est dépressible et donc c'est un petit peu, c'est notre artère palatine, d'accord Pourquoi je dis ça Parce que la mettre en évidence l'artère palatine en clinique, c'est intéressant parce que parfois on est confronté à un, un palais qui est profond et parfois, et donc l'artère, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est profonde. Et parfois, le, quand on a un palais qui est plat, d'accord, l'artère, elle est plus superficielle. Et donc la, la, mettre en évidence cette artère palatine surtout pour les, les gens qui font des, des greffes euh, épithélioconjonctives c'est une zone qui est très intéressante. Alors là il faut bien le repérer. Alors on peut le repérer au niveau de, aussi bien au niveau du conbim Alors au niveau du conbim beam comme on a dit, c'est à partir de cette sortie de la fosse maxillaire qu'on aura notre artère palatine. Et on peut très bien le voir quand vous voyez là d'accord On peut avoir une région qui montre l'artère palatine. Et comme on a dit, c'est l'intersection de la crête palatine avec le, le palais. Aussi bien, on peut le voir au niveau de cette radio, au niveau de ces coupes perpendiculaires. Donc vous voyez que vous voyez l'artère palatine, d'accord, au niveau de, de cette région. Alors parfois, cette artère palatine, comme vous voyez au niveau de, de ces euh, radios, on a la racine palatine qui peut présenter un rapport intime avec l'artère palatine. Et donc, quand on, parfois, vous faites l'extraction d'une 7 ou bien d'une 8, comme ça montre ici, donc ça le montre ici, donc vous faites l'extraction d'une 7 ou d'une 8 supérieure et vous avez une hémorragie qui est importante, qui vient de l'alvéole. Alors, vous vous dites que pourquoi j'ai cette hémorragie généralement Alors, en fait, parfois, on a ce rapport entre la, la racine palatine et l'artère palatine et donc c'est ce qui fait que ce qu'on a un petit peu euh, cette hémorragie donc il faut pas euh, alors pour détecter ça qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire une petite compression au niveau du palais d'accord et si vous si ça s'arrête au niveau de votre alvéole, vous savez très bien que c'est l'artère palatine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut juste faire une compression, une bonne compression au niveau de l'alvéole. Et normalement, cette hémorragie qui vient en intra-osseuse, on la gère très bien. Donc, il n'y a pas généralement de problème. Alors, on a terminé du, de l'anatomie topographique. Donc, vous voyez que là, quand on parle anatomie topographique, on parle d'éléments anatomiques qui existent au niveau des différentes régions. D'accord Et donc, on parle région on parle de façon euh, un petit peu pratique et, et clinique. Et donc, là, euh, on a parlé maxillaire on, on a parlé quatre régions au niveau du maxillaire. Et donc, là, on va passer vers la région euh, mandibulaire ou bien vers la mandibule. Euh, ok, professeur, donc avant de passer à la mandibule, je pense qu'on avait encore deux questions par rapport au maxillaire. Euh, on a d'abord Zineb qui demande quelle est la distance de sécurité au-dessus de laquelle on peut luxer la dent de sagesse en toute sécurité C'est-à-dire que lorsqu'on luxe la dent de sagesse, est-ce qu'on on peut dépasser 2 mm ou pas Est-ce qu'il y a une distance pour ça alors, généralement, quand on luxe, le mouvement de luxation, c'est un mouvement le, le, qui, qui, en fait, qui donne le plus de complications. Alors, au niveau de la dansagesse maxillaire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter d'utiliser dès le départ un élévateur qui est large. Alors, c'est ce qui fait la complication au niveau de la maxillaire. Quand on utilise dès le départ un, un élévateur large, donc qu'est-ce qu'on fait On crée une fracture. Alors que si on utilise les élévateurs de façon progressive, ça veut dire que je vais utiliser un élévateur qui est fin, puis je vais utiliser quand je luxe ma puis je vais utiliser un élévateur moyen, puis un élévateur large. Donc là, je donne le temps à l'os de faire cette expansion. Et on sait très bien que l'os maxillaire présente de l'os spongieux, et donc ça peut donner cette expansion qui va se faire de façon progressive. Mais aller directement vers un élévateur large. Donc ça, ça crée, ça crée un petit peu de euh, des, des fractures. D'accord, merci. Alors la deuxième question nous vient de Docteur Tahari qui, qui vous demande comment localiser et comment protéger le nerf antral lors d'un refoulement d'implant ou de racine au niveau du sinus. Alors maintenant, quand on a l'artère l'artère on sait très bien que la voie d'abord du voile latéral est différente. Alors, bien sûr, le fait de localiser l'artère entrale, quand vous allez localiser, vous la localisez et donc vous, vous pouvez mesurer entre la crête et la situation de l'artère entrale. Et donc là, soit vous mettez votre fenêtre latérale qui est à distance de cette artère entrale, ou bien quand votre fenêtre elle est pile dedans au niveau de l'artère entrale, donc là, vous devez mêler. La, 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 par une fraise boule qui est montée sur piezo, d'accord. Donc vous allez meuler cette paroi latérale et vous allez mettre en évidence votre artère artère entrale. Alors bien sûr, l'hémorragie de l'artère entrale elle est embêtante parce que c'est une artère qui est nourrie un petit peu de l'antérieur et du postérieur et donc c'est anastomose fait que on gère très mal un petit peu l'artère antrale et ça va un petit peu compromettre notre acte opératoire et parfois même arrêter l'acte opératoire, surtout lorsqu'il s'agit d'un soulevé de sinus. Donc, on a besoin de mettre un matériau, matériau de comblement euh, au niveau de, de cette région. Ok, merci. Alors, pour ce qui est de, de la partie mandibulaire. Alors, pour ce qui est de la mandibule, on va démarrer par la région postérieure. Alors, bien sûr, quand on parle région postérieure, alors bien sûr, la première chose à parler, c'est l'épine de spix. Alors, quand on parle épine de spix, alors on a tendance à voir des, des médecins-dentistes qui ne vont pas utiliser l'épine de spix. Pourquoi vous n'utilisez vous utilisez pas l'épine de spix ou l'anesthésie à l'épine de spix Pourquoi Parce que je ne sais pas, je vais prendre l'aiguille, je rentre au niveau de, de, de structure, les repères, ils ne sont pas bien clairs. Alors, l, l, la description, elle est, elle est simple. L'épine de Spix, elle va permettre la, la rentrée de l'alvéolaire inférieur. Et quand vous voyez ces, ces schémas, donc vous voyez que la largeur d'une branche montante, c'est une largeur qui ne va pas dépasser les, les 4 cm. Et quand vous voulez repérer votre épine de Spix, elle est à maximum de centimètres par rapport au bord antérieur de la branche montante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous repérez votre bord antérieur, votre épine de spix, elle à 2 centimètres. Vous pouvez piquer en arrière, juste en arrière de votre doigt, mais juste que le corps de la seringue, il doit être au niveau du côté contralatéral pour qu'on aura un contact osseux. Et vous piquez en arrière de votre doigt et vous allez injecter de l'anesthésie qui va, qui va être... Bien sûr, qui va euh, anesthésier l'émergence de l'épine de Spix. Alors là, c'est juste une, une vidéo qui vous montre cette anesthésie qui est aussi simple. Je repère le bord antérieur, je vais prendre euh, le, 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 la seringue et je suis perpendiculaire, vous voyez, le corps de la seringue est de côté contre contact osseux et j'injecte. Et voilà, donc je fais. Euh, vous voyez que c'est aussi simple, d'accord Et c'est une anesthésie qui est, qui est importante. Alors maintenant, d'autres questions, d'autres personnes qui vont vous dire « Alors maintenant, je fais généralement l'épine de Spix, mais le patient il sent toujours. » Alors le patient il sent toujours, soit que votre patient au niveau de la dent, il présente une, 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 une infection ou une réaction pérépicale. Et donc là, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut… Et il faut faire une anesthésie le plus proche de cette, cette infection. Et donc là, il faut bien sûr aller vers des intraligamentaires. Ou bien si votre patient présente une pulpite, il faut faire une intrapulpaire. Donc il faut toujours compléter, compléter par ça. Alors quand on parle aussi nerf alvéolaire inférieur, on parle de rapport entre la troisième molaire et, la, le, 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 et le nerf alvéolaire inférieur. Et on parle du concept compression. Alors, le concept de compression, c'est quoi C'est en fait, quand vous avez généralement au niveau des coupes euh, cone-bim, vous avez le nerf qui présente une, une forme qui est ronde. Alors, quand vous voyez que le nerf est présent au contact de la dent, une forme simulinaire, d'accord Donc là, il faut faire attention. Là, c'est une compression. Le nerf ici est comprimé. Et votre patient, il, il, il peut présenter une hypoesthésie. Il faut bien communiquer ça au patient. Et. Euh, voilà, donc pour pouvoir réaliser le geste. Donc là, c'est une étude aussi qui a été réalisée et qui montre que euh, vers les, les 23% des cas présentent une compression au niveau du nerf alvéolaire inférieur. Là aussi, donc pour, pour matérialiser et pour voir cette compression, vous voyez cette compression du nerf et cette forme qui est semi au contact de l'apex. De la racine de la dent de sagesse incluse et horizontale. Alors, quand on parle aussi nerf alvéolaire inférieur, on parle aussi des variés, les variétés anatomiques que peut présenter ce nerf, notamment le canal rétromolaire. Et donc, vous voyez ce canal rétromolaire qui peut présenter des formes qui sont différentes, soit cette forme qui est rétrograde ou bien une forme qui est, qui est bifurquée, comme vous voyez là, donc cette forme qui est. Qui est bifurqué, d'accord Et ça peut, euh, donc ce canal rétromolaire, il peut, euh, surtout lorsqu'il est ouvert au niveau du, du trigone rétromolaire, ça peut créer un petit peu des, des problèmes lorsque vous faites votre chirurgie de sagesse et vous décollez le lombo au niveau rétromolaire, molaire vous pouvez avoir une hémorragie ou, ou euh, une hémorragie à ce niveau, ou bien votre patient ils sont, ils sont toujours au niveau de cette région. Et donc là, ce qu'il faut, il faut bien sûr, il faut pas euh, s'affoler parce que vous pouvez très bien décoller. Juste, il faut juste gérer cette hémorragie par une bonne une bonne compression. Alors, euh, là, c'est des, des 3D qui montrent l'émergence de ce canal rétromolaire. Et on peut avoir soit une émergence qui est linguale, vestibulaire ou bien parfois intermédiaire. d'accord Et donc, comme on peut avoir des, un canal rétromolaire qui peut s'ouvrir complètement au niveau de la zone rétromolaire, qu'on peut avoir un, un canal rétromolaire qui va s'arrêter au milieu et donc qui ne va pas s'ouvrir au niveau de, de la crête. Alors bien sûr, une étude il a été réalisée au niveau du centre consultation au traitement dentaire et qui montre que 19,3% des patients, d présentent un, un, un canal rétromolaire. Et donc bien sûr, il faut gérer ce canal rétromolaire pour éviter euh, les problèmes. Vous le voyez ici aussi. Donc on a le, le canal rétromolaire. Donc par exemple, au niveau de, de, de cette vidéo, vous voyez que le canal rétromolaire, il remonte entre les, les racines. D'accord Donc vous pouvez très bien voir que le canal rétromolaire, qu'est-ce qu'il a fait Il a remonté et il a contourné les deux racines. Et donc là, il faut faire attention parce que quand vous, allez, vous voulez mobiliser votre dent, le patient il peut sentir des douleurs ou bien des douleurs de décharge électrique, alors qu'ils sont en rapport avec le canal rétromolaire et pas en rapport avec le nerf alvéolaire inférieur. Deuxième élément au niveau de cette région postérieure, c'est le nerf lingual. Alors le nerf lingual, c'est un nerf qui va se détacher en avant par rapport au nerf alvéolaire inférieur et il va passer, comme vous voyez, au niveau lingual et presque au niveau du collet de la dent sagesse mandibulaire. D'accord Et à la différence de, 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 de par exemple, l'artère palatine, qui est une artère qui est en sandwich entre la muqueuse palatine et le palais osseux. Alors que le nerf alvéolaire, euh, pardon, le nerf lingual, il est... En plein, milieu, en plein milieu, au niveau de la muqueuse linguale, ça veut dire que il n'est pas entre la muqueuse et l'os, mais il est en plein dedans, au niveau de la muqueuse linguale. Alors, l'impact clinique de ça, c'est quand vous voulez faire l'extraction de votre dent de sagesse inférieure, donc il faut impérativement décoller au niveau lingual. Alors, si je crée le nerf lingual, il faut décoller le lambeau lingual Quand je décolle le lambeau lingual je protège mon nerf lingual parce que mon nerf lingual, il est à l'intérieur de cette muqueuse. D'accord Et donc, le fait de décoller le lambeau lingual ça va protéger la, mon, mon geste opératoire et éviter de toucher le nerf lingual parce que toucher un nerf lingual, ce n'est pas, euh, pas très, euh, très bien accepté par le, le patient. Alors, parfois, on a des variétés aussi du nerf lingual. Et comme ça montre ici les images au niveau d'un article qui est euh, publié euh, récemment avec l'équipe de euh, professeur Bruno et professeur Kissé, professeur Haitemi. Vous voyez, donc là, au cours d'une dissection, donc, euh, on a trouvé qu'il y a au niveau du nerf lingual, il y a une boucle au niveau de la zone rétromolaire. Et donc, vous savez très bien que euh, si cette boucle n'est pas mise en évidence euh, en, en radiologie, d'accord, vous allez décoller et vous allez de, décoller à ce niveau là et vous pouvez très bien euh, disséquer le nerf lingual. Et bien sûr, votre patient là, il va présenter une hypostasie au niveau de, de la langue. Et donc, vous voyez très bien que c'est à cause de cette variation anatomique, chose qu'on peut bien voir. Si on explore notre examen radiologique. Alors, après la région postérieure, au niveau de laquelle on a vu le nerf alvéolaire, la rentrée du nerf alvéolaire inférieur par l'épine du spix, et on a vu deuxième chose, on a vu le nerf lingual. Donc là, c'est la région latérale. Alors au niveau de cette région latérale mandibulaire, qu'est-ce qu'on a On a le passage du nerf intra-osseux, le nerf alvéolaire intra-osseux qui va et, et, et cheminer de façon oblique de l'intérieur vers l'extérieur pour sortir par, par le, le foramen montoni. Alors le, le paquet vasculo, vasculaire alvéolaire inférieur, donc c'est un paquet qui chemine en fait au niveau d'une spongieuse. Il n'y a pas un vrai canal. Donc même si on, parfois on dit que c'est un canal alvéolaire inférieur, mais il n'y a pas de canalier parce qu'il n'y a pas de corticale, parce qu'il n'est pas entouré d'une corticale. Et vous voyez, au niveau de cette coupe histologique, on voit que juste c'est de la spongieuse qui va entourer notre nerf. D'accord Et bien sûr, la visibilité de ces deux lignes, en fait, qu'on voit au niveau des examens radiologiques, qu'est-ce qu'on voit On voit un petit peu la, les lamelles qui vont se superposer au cours de la trajectoire. Et donc, bien sûr, plus l'os est dense... Plus on va voir très bien la superposition de ces lamelles autour du nerf, d'accord Et vous le voyez très bien quand vous avez un os qui est lâche, donc on n'arrive pas parfois à repérer notre nerf alvéolaire inférieur. Alors au niveau toujours de la description de ce paquet, alors au niveau de la description de ce paquet, on a l'artère alvéolaire inférieure qui vient en superficiel par rapport au, euh, à le, au nerf alvéolaire inférieur, et ça c'est un élément qui est très important quand vous intervenez en profondeur et vous trouvez que vous avez une hémorragie. Par exemple, vous faites un forage. D'accord Et à un certain moment, vous avez une hémorragie qui vient par le trou de forage. Donc là, vous savez très bien que vous êtes à proximité de votre paquet et il ne faut pas avancer. Il faut être en retrait un petit peu, comme ça, pour éviter une lésion du nerf alvéolaire inférieur. Alors, comme variété anatomique, parfois le nerf buccal, qui est un nerf qui vient au niveau de la muqueuse vestibulaire, parfois, qu'est-ce qui fait ce nerf buccal Il va rentrer il va rentrer au niveau de la, de la branche horizontale alors quand il va rentrer au niveau de la branche horizontale qu'est-ce qu'il va faire il va contribuer à l'innervation des dents avec le nerf alvéolaire inférieur alors et quand vous faites votre anesthésie au niveau de l'épine spic, vous dites ah mon patient il sent toujours alors pourquoi votre patient il sent toujours parce que le nerf buccal donc là il faut infiltrer de façon profonde au niveau de cet angle en vestibulaire et anesthésier votre nerf buccal pour que votre patient n'aura pas ce problème. Et bien sûr, cette émergence ou bien ce trou du nerf buccal va être bien visible au niveau de votre cone Alors, comme ça le montre ici, euh, d'accord, donc au niveau de, de ces images, on peut très bien voir le, la rentrée du nerf buccal au niveau... De, euh, au niveau de le, le, la partie euh, latérale de la mandibule. Aussi le nerf on voyez ici le nerf miélohyoïdien qui vient au niveau de la partie interne au niveau du plancher, il peut bien intégrer et rentrer, d'accord, vous voyez on la table interne et il peut rentrer et passer et aider dans l'innervation des dents, d'accord. Et là aussi il faut quand on a un problème, il faut toujours penser à, mettre, à rajouter de l'anesthésie. Euh, quand votre patient ne sent pas ou bien sent toujours la douleur, il faut penser à rajouter de l'anesthésie soit pour le nerf buccal ou bien pour le nerf euh, myloédien. Là, vous voyez donc euh, la rentrée du nerf myloédien au niveau de, de cette région. Alors là, il faut faire juste attention parce que par exemple dans ce cas où on était confronté à une patiente qui vient pour une malformation vasculaire au niveau du plancher, d'accord Donc cette malformation vasculaire, quand on a examiné radiologiquement, on a trouvé qu'il y a une cavité. Alors, quand on a fait le cone qu'est-ce qu'on a vu On a vu effectivement qu'il y a une vous voyez donc on a des artères qui vont rentrer par la table interne, d'accord, et ils vont donner une cavité vasculaire, et donc en fait c'est une cavité vasculaire euh, qui, euh, qui peut induire des, des hémorragies qui sont importantes euh, en rapport avec cette malformation vasculaire. D'accord Lorsqu'on réalise juste une extraction simple. Et donc, bien sûr, là, j'insiste toujours sur ces variations anatomiques et ces variations qui peuvent être bien décelables et visibles au niveau des examens radiologiques. Là aussi, vous pouvez voir au niveau de la trajectoire du nerf, on a un nerf bifide, un nerf alvéolaire en deux. Il se divise en deux. Et dans notre, notre étude, on a vu qu'on a 2,4% des patients qui présentent un nerf bifide. D'accord donc, vous voyez, donc là aussi, c'est un nerf qui est divisé en deux. D'accord Aussi au niveau de cet examen, vous voyez que le nerf, il est divisé en deux, deux parties. D'accord Et donc, donc, il faut faire attention. Euh, parfois, si on n'est on est pas conscient, on peut prendre le nerf qui est en bas comme repère. Et on se dit, non, pas, pas de problème, on peut poser notre implant. Et là, on va être confronté à un problème d'hypoesthésie de, euh, de du nerf alvéolaire inférieur. Euh, alors, professeur, on a une question de Malak qui demande, lors des chirurgies de dents de sagesse, est-ce que l'anesthésie du nerf buccal elle est systématique avec l'anesthésie à l'épine de Spix alors bien sûr, normalement, qu'est-ce qu'on fait Normalement, on fait de l'anesthésie euh, tranculaire, d'accord, et puis on anesthésie le nerf buccal, d'accord, de façon systématique. Mais parfois, on doit injecter un petit peu plus en profondeur parce que juste on, a, on anesthésie juste la muqueuse buccale qui est innervée par le nerf buccal. Mais parfois, quand on a cette émergence, il faut aller en profondeur un petit peu pour injecter au niveau de l'angle et avoir un, euh, un impact et une anesthésie plus, plus importante ou intéressante pour le patient. Alors, autre élément au niveau de cette région latérale, c'est le foramen montonier. Alors, le foramen montonier, comme vous, comme vous voyez, donc il va généralement émerger, euh, comme sa description le dit, donc il émerge généralement entre les, les deux prémolaires. D'accord Et donc, vous voyez un petit peu l'architecture et comment ça se présente. ce euh, ce, euh, euh, ce foramen le Alors maintenant, dans les études, par exemple les études de, de, de Gaudi, il montre que c'est pas totalement vrai c'est pas que le foramen mentonier il n'est pas toujours entre les deux, deux prémolaires mais on peut le voir bien en distal de la canine, on peut le voir à l'avoir bien en méziale de l'assis, d'accord et dans nos études qu'on a fait donc effectivement c'est ce qu'on a trouvé, on a trouvé qu'il peut présenter des situations et des positions qui sont différentes d'accord, et parfois on, là par exemple au niveau de cette image vous voyez qu'il est qu'il est en regard directement de de l'assis. D'accord Et euh, on a vu des cas où, où le nerf, il était même en distal de l'assis. D'accord Donc il faut faire attention. Et le, pour ce foramen Montonier, donc on peut trouver des situations qui sont différentes. Ce foramen Montonier, parfois, on, il peut sortir par deux foramen Montonier. D'accord Donc vous voyez là deux sorties du foramen Montonier. Donc il faut faire attention à ces ces éléments là. Alors quand on a un, un, un déficit au niveau osseux et donc parfois le nerf alvéolaire il est exposé, exposé au niveau de la crête. Et donc quand je dis le nerf est exposé, ou bien le foramen mantonier est exposé, si vous faites une incision sur la crête, vous allez inciser au niveau du foramen montonnier. Et donc là, il faut très bien euh, localiser votre foramen montonier et Étudiez vos incisions pour éviter une lésion du foramen montonnier. Là aussi, quand vous voyez au niveau de cette, euh, de cette radio, vous voyez l'exposition du foramen montonnier. Donc, c'est des patients qui n'arrivent même pas à poser leur prothèse. Quand ils posent leur prothèse, ils ont des décharges électriques. Et donc, vous voyez l'exposition à ce niveau-là, l'exposition du, du foramen montonnier au niveau de la crête. De même, le foramen mentonier euh, pour études radiologiques, vous voyez que parfois il peut se confondre avec une lésion périapicale. Vous voyez ces dents qui présentent une carie, par exemple, et euh, on va trouver euh, euh, quelqu'un qui va dire oh peut-être c'est une image périapicale, je vais faire un traitement canonnaire. alors que c'est juste l'émergence et la superposition du foramen mentonier par rapport à l'apex. Néanmoins on peut trouver des, un nerf alvéolaire inférieur qui est juxta-apical, comme ça le montre ici. Donc là, on a la 7, par exemple, au niveau de, au niveau de la 7, on a le nerf alvéolaire inférieur, mais qui est juxta-apical. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je fais juste un traitement canalaire et je dépasse par 0,5 à 1 mm, Lorsque je fais ma, ma, mon traitement canalaire par mes limes, donc je peux léser le nerf et je vais dire Ah, je sais très bien, c'était l'épine de Spix, l'anesthésie, l'épine de Spix, c'est elle qui m'a donné l'hypoesthésie. Alors en fait, c'était juste la proximité du nerf. d'accord Et donc, c'est des éléments. Parce que quand on parle nerf alvéolaire inférieur, automatiquement on parle de nerf alvéolaire inférieur et d'ensagesse inférieure. Mais on oublie les autres structures et on oublie les variations anatomiques que peut, que peut présenter un patient. Alors là, au niveau du foramen montonnier, c'est bien de faire des chirurgies compliquées, mais vous pouvez très bien voir là, par exemple, au niveau de, de cette image, ou bien je crois, au niveau, voilà, au niveau de cette image, vous voyez que. L'écarteur est mis sur le foramen mentonier. Vous avez un écarteur qui est mis sur le foramen mentonier. Alors que quand on décolle le foramen, pardon, quand on décolle euh, pour une chirurgie, on, on met en évidence un foramen mentonier. C'est en fait c'est pour le protéger, c'est pour l'éviter, même pas pour le comprimer par, par euh, un écarteur. La autre chose au niveau de cette région latérale, c'est la crête et la forme de la crête et dont il faut faire attention, d'accord. Et donc il faut faire attention. Par exemple, là, c'est une crête qui est euh, parallèle, d'accord. Mais dans certains cas, on peut être confronté à une crête où il y a une une loge, une excavation. C'est la loge de la glande sous-mandibulaire. D'accord Et donc, cette excavation, il faut la prendre en compte. Et quand vous voulez étudier l'axe de votre implant, il faut bien sûr éviter cette excavation pour éviter un petit peu les problèmes de mettre un implant au niveau du plancher. D'accord Comme ça le montre cette radio 3D. Alors dernière région, c'est la région antérieure mandibulaire. Alors cette région, elle est décrite par le nerf incisif. Alors quand on parle nerf incisif, c'est la continuité en fait de l'alvéolaire inférieur. L'alvéolaire inférieur, il va faire sortir les foramens mentoniers et ça va continuer avec le nerf incisif et qui aura qui auront comme, comme rôle c'est un petit peu c'est de vasculariser, innerver un petit peu ce secteur antérieur. Alors bien sûr par définition, c'est un paquet qui existe et qui part avec la présence et l'absence des dents. D'accord Et donc, quand on n'a pas généralement de dents, donc on n'a pas trop de problème avec ce, ce nerf. Et donc, généralement, même si on le touche lorsqu'il n'y a pas de dents, donc il n'y a pas de problème. D'accord Alors, mais ce qui se passe, c'est en fait parfois... Même si la crête est édentée, on peut toucher un nerf incisif et le patient il peut rapporter après qu'il présente une petite hypocrisie labiale. Alors vous allez vous dire comment, puisque c'est un nerf qui passe en intra-osseux, comment il va pouvoir. Alors parfois ce qui arrive, c'est qu'on a, qu a un petit peu ces, ces variations. C'est quoi C'est en fait le nerf qui va sortir par la crête vestibulaire et qui va participer à l'innervation de, de la lèvre. D'accord Et donc, quand vous, avez, vous allez euh, toucher le nerf incisif, ça va se répercuter sur la lèvre. Et donc, il faut faire attention à ces variations. Comme je vous ai dit, c'est des variations qui sont décelables au niveau de l'examen radiologique. Donc, il faut bien sûr les, bien les, les mettre en évidence et les visualiser. Alors, deuxième élément au niveau de la région antérieure après le nerf incisif, c'est la présence d'une anastomose artérielle qui est l'anastomose de l'artère sublinguale, d'accord Donc c'est l'artère sublinguale, elle est là, et l'artère sous-montale, d'accord Et donc ces deux artères, ils peuvent s'anastomoser au niveau de la région linguale entre la 31 et la 41, d'accord Parfois cette anastomose n'est pas complète. Comme le montre au niveau de cette image. Donc, vous voyez que c'est juste une, 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 euh, une entrée de, de, du, du sublingual, d'accord Mais parfois, c'est un petit peu l'anastomose, elle est, elle est complète, comme ça montre un petit peu ces, ces deux images, d'accord Et donc, quand je vais intervenir au niveau de ces secteurs inférieurs, par exemple, j'ai eu lésion kystique, je veux intervenir par voie vestibulaire. Si j'arrive au niveau de cette anastomose, j'aurai une hémorragie qui est un petit peu embêtante. Alors là, il faut bien sûr la planifier et, le, 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 et bien sûr le, 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 la voir bien avant d'intervenir. D'accord et se préparer bien sûr pour. là. Par exemple, quand vous avez cette, cette, euh, ces images-là, d'accord, c'est des images qui sont radio-opaques et qui sont multiples, hein, alors vous voulez intervenir. Donc là, il faut bien sûr faire attention à cette anastomose euh, artérielle. Et dans notre étude, ce qu'on a vu, c'est qu'on a presque 4% des, des, des cas où il y a... Euh, des anastomoses entre l'artère euh, sublinguale et sous -montale. Voilà donc en conclusion on peut dire que les examens euh, radiologiques c'est des examens spécifiques qui sont personnalisés pour chaque patient alors il faut en profiter pour mettre en évidence les éléments anatomiques mais aussi bien mettre en évidence des variations anatomiques. on peut pas euh, énumérer toutes les variations anatomiques. on va en, euh, voir, euh, voir tous les jours d'accord. bien sûr, euh, c'est des variétés anatomiques qui sont fréquentes, qui existent d'accord. et il faut penser quand je vais voir une, une, une variété anatomique, il faut penser à l'implication de cette variété sur le geste opératoire. d'accord. et je termine par. Par cette image, c'est une image que j'ai prise à... devant la mer de Hossema, euh, cette belle région. Alors, cette... Alors, ce qui se passe, c'est que l'orage, c'est comme, si... comme ces variations anatomiques. Si j'arrive pas à les mettre en évidence et les voir euh, du premier coup, donc je peux passer à côté. Et donc, je finis par vous dire euh, Ramadan Mubarak Kerim et euh, je remercie une autre fois. Euh, notre cher animateur Dr Konate et notre équipe de Learning Danta euh, Merci, merci Monsieur le professeur Bouzouba et comme d'habitude vous avez été superbe je pense que vous nous avez toujours habitué à, à des conférences de haut niveau d'ailleurs le chat a, peut en témoigner vous avez eu plein de messages de remerciements et voilà pour votre générosité pour votre présentation pour votre communication donc voilà je vous transmets ces remerciements déjà Merci. Merci. Sinon, bon, je pense que la question qui taraude un peu dans la tête de tout un chacun, c'est que bon, on a vu les variations et parfois on peut les prévoir, parfois on ne peut pas les prévoir. Maintenant, lorsqu'elles surviennent et qu'il y a une complication et qui voilà, qui peut être mineure ou qui peut être majeure, d'un point de vue médico-légal, comment ça se passe? Est-ce que le médecin il, il est tenu pour responsable? Ou voilà, ça rentre dans le cadre des aléas thérapeutiques? Alors, en fait, quand on a une variation anatomique, alors si elle est décelable au niveau d'un examen radiologique, alors là, bien sûr, il faut bien la voir, d'accord Alors, si je ne donne pas de temps pour examiner mon examen radiologique de, euh, de 3D, je fais de la 3D pour être dans la précision, je fais de la 3D pour voir un petit peu tous les éléments anatomiques qui existent, d'accord Et donc, bien sûr comme j'ai dit au départ, l'apprentissage de l'anatomie passe par trois étapes. première étape, c'est anatomie. deuxième étape, anatomie descriptive. deuxième étape, c'est anatomie topographique. troisième étape, c'est euh, les variations euh, anatomiques. d'accord. et l'étude des variations, bien sûr, il faut se donner le temps pour examiner un petit peu les, euh, les variations pour chaque patient et réfléchir. Et comme je dis toujours, un acte opératoire nécessite toujours une scénarisation avant de s'y mettre. Euh, il ne faut pas euh, prendre le cliché au même temps que je fais rentrer mon patient et je vais lire l'examen le, radiologique devant mon patient et je ne vais pas me prendre le temps de lire l'examen bien avant et de se préparer des différentes alias que peut présenter cet acte opératoire. Euh, oui, effectivement. Ben, merci. Euh, donc, on vérifie s'il y a encore des questions. Il y avait une question bon, qui était un peu, on va dire, qui ne concernait pas forcément les variations, mais il y a Ahmed qui demandait est-ce que vous pouviez nous expliquer la technique de l'anesthésie Go-Gate Alors, l'anesthésie Go-Gate, donc en fait, c'est pour anesthésier toujours, donc c'est pour anesthésier le nerf alvéolaire inférieur. D'accord Et donc je crois qu'aujourd'hui, comme je vous ai montré, pour faire cette anesthésie, il n'y a pas plus simple que ça. C'est repérer le bord antérieur et être euh, juste vraiment euh, en arrière de votre doigt et votre aiguille, elle est dans le sens contraire latéral. Vous avez un contact osseux et vous faites votre anesthésie. Je préfère qu'on qu qu parle d'anesthésie de, de, simple et qui est faisable par, par tout le monde, d'accord Et euh, éviter un petit peu des anesthésies qui sont un petit peu euh, difficiles, ou bien dont la description n'est elle elle pas reproductible. Dans la description, elle est opérateur dépendant, ça veut dire que je vais la réussir, mais est-ce que tout le monde va la réussir Donc ça, c'est la, la question. Et c'est pour ça que j'ai essayé de décrire un petit peu cette anesthésie de Alipine de Spix pour dire que c'est une anesthésie maintenant qui est... Tout le monde peut repérer un bord antérieur, et tout le monde peut piquer en arrière de son doigt au niveau de la face interne de la branche montante, et tout le monde peut mettre une, une, euh, le corps de l'aiguille du côté contralatéral. Et donc là, je ne vois pas la difficulté de cette anesthésie. Oui, oui, oui tout à fait d'accord, professeur, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense que dans le chat, il y a beaucoup de témoignages qui disent que... Grâce à vous actuellement, ils réussissent l'anesthésie à l'épine de Sphinx. Donc, euh, sur ce, je pense que on va mettre fin à cette conférence. Merci beaucoup au professeur Bouzouba. Merci à Learning.dental. Et bien entendu, merci à la DIRC. Et merci à tous nos auditeurs. Portez-vous bien. Je vous remercie.